Pour créer un PDF depuis votre iPhone, ouvrez par exemple Safari. Recherchez un site. Ouvrez l'article que vous souhaitez conserver. Pour plus de lisibilité, passez en mode lecteur. Voir la vidéo dédiée si besoin. Une fois que vous êtes en mode lecteur, vous appuyez en bas sur le bouton partager. C'est le carré avec la flèche. Dans la ligne qui se trouve en bas, faites défiler puis choisissez créer un PDF. Votre PDF est créé. Appuyez à nouveau sur le bouton partager en bas à gauche. Et là, vous allez pouvoir enregistrer votre PDF soit dans fichier ici. Sinon, vous pouvez le copier vers eBooks, le copier vers Evernote. Tout dépendra des services qui sont installés sur votre téléphone. Moi, je vais l'enregistrer dans fichier, dans iCloud Drive. Et je vais le mettre dans aperçu. Je l'ajoute. Je fais OK. Et comme il a déjà été enregistré, je peux le supprimer. Je ferme Safari. Et si je vais voir dans fichier si mon PDF est bien là, je vais voir dans aperçu. Je le cherche. Et il se trouve bien ici. Ainsi, même si l'auteur de l'article décide, pour une raison ou pour une autre, de l'enlever de son site, j'ai conservé une copie et je pourrai donc le consulter quand je veux. N'hésitez pas à utiliser cette fonction, c'est très pratique et universel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager, ça me fera plaisir. À bientôt !